Salut, salut, on se retrouve donc pour la suite des Dark Cloud. La dernière fois, je m'en étais arrêté après avoir construit une bonne partie de mon robot. Une petite partie. J'ai déjà fait mes achats, je me souviens plus. Oui. Tout sort, tout se fera bête. J'ai dû en racheter, à mon avis. Bon, bah. J'ai envie de dire, changeons d'endroit. Allons à la mer de lune. Et continuons d'XP l'anneau d'attaque. C'est l'anneau d'attaque que je veux monter. Donc... Eux ils donnent des patates. Sans patates. C'est pour ça qu'ils veulent mettre très utile les patates, ça se vend cher. Avec ou sans patates? Ah, je vais le mettre beaucoup ce bruitage, apparemment. Non, Kate va être la fille avec le personnage qui va servir tous les poussailleurs de lune. À cause des patates. Avec ou sans patates? Sans patates! Voilà, les niveaux 2. Niveau 3. Niveau 4. Niveau 5. Monte à 72 avec 7 trucs et ouais, de base je laisserai ça, mais bon. Bon, en attendant, on va lui mettre ça. C'était qui que j'ai entraîné à la base? Je crois que c'était Coloneco. Ouais, en fin de compte, peut-être que mes ficheries seront moins gros que prévu. Bon, on va garder lui en attendant. On sait jamais si je tombe sur des sphères. Non, ouvre le coffre! Ne passe pas à côté! Eh bah, ok, bah tout d'ailleurs, j'ai pas le choix niveau chemin, de toute manière. Y a pas de sphère. Ça résout le problème. Bon, tu m'excuses, mais les patates, c'est trop tentant! Avec ou sans patates? Sans patates! Même sans avoir l'arme d'XP bonus, elle fait des dégâts. Hein. Ah oui, et là j'ai une manière de me faire du fric facile grâce aux patates. Je vais pas m'en priver. Waouh. Depuis que j'ai changé les configs de OBS pour avoir une bonne qualité, parce que même il n'y avait pas que les lives qui ont pris cher niveau qualité, mais aussi quand je tournais une vidéo. Donc j'ai été chercher des options pour améliorer la qualité, mais les fichiers vidéo vont être lourds. Quand je vois à quel chiffre ça monte, le bitrate. Cinq émaux la seconde, ça fait mal au cul. Ah, j'imagine pas la taille du fichier à la fin de 45 minutes. Bleh. Mais bon, là j'ai vu par rapport à la vidéo précédente que la qualité était un peu merdique par rapport aux vidéos d'avant. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon ordi pour que ça fasse ça au niveau de la qualité, elle diminue comme ça. Que sur mes lives ou quand je reçois une vidéo, alors rien touché niveau option, mais la qualité elle a pris cher. Je sais pas pourquoi. Non, pas de patate. Ah non. Thank you.
Ouais, tes poissons. De manière, faudra que je repasse. De manière, faut que je prenne Corneco parce que c'est elle qui passera le trou. Je sais, mon armée est fatiguée. Ouah, d'habitude, mais par rapport à avant que OBS décide de bugger, c'est peut-être marqueur graphique en fait qui bug. Vu que ça influence tout ce que c'est par rapport à marqueur graphique, peut-être marqueur graphique en fait qui merde. C'est peut-être aussi marqueur graphique, ouais, peut-être. C'est peut-être qui fait de la merde. C'est peut-être pas Mako, mais la carte graphique. Parce que c'est même l'enregistrement local qui prend cher au niveau de qualité. Ah ouais, c'est peut-être ma carte graphique. Peut-être la nettoyer un bon coup, peut-être. Et si c'était ça le problème, je me pends. Après la vidéo là, j'irai regarder l'état de ma carte graphique. Si je vois que c'est ça, je dis oh putain, le con. C'est juste un problème de carte graphique un peu trop empoussiéré. Ah, mais si c'est ça, je suis content. Si c'était juste ça le problème, si ça venait pas de ma co internet en fin de compte, juste la carte graphique qui était pas contente. Je suis pas content, tu m'as pas nettoyé depuis longtemps. Alors je vais te faire de la qualité de merde. Ah, oh, tu m'énerves. Allez, je te répare. Non, mais non. Oh. Où la sphère? Tape pas dans le vent, ça sert à rien. Ouais, j'ai peur à la fin combien le fichier va faire niveau taille. Quand je vois le kilobit par seconde qui monte dans les 6000. Avant que OBS bug, parce qu'on va dire que c'est OBS qui bug. Un fichier de vidéo de Dark Cloud me prenait. Attendez, j'ai normalement le truc ouvert. Dans les 500 MO. 500, 600, 1 giga. Voilà. Selon par rapport à la longueur de la vidéo. En truc proche d'une heure, c'était 1 giga. Et au niveau des 45 minutes, c'était proche des 650. Ok, si c'est une arme, les PA sont au revoir. Ciao, d'accord. Donc on va prendre le bourrin. Normal. Oh putain. Bon, on va faire le côté là-bas. Ouais, j'ai franchement peur de la taille de la vidéo que je vais devoir me taper. Oh. Je dois me taper les espadons, vous êtes sérieux les gars? Heureusement que j'ai la technique là. Bon, j'essaie de massacrer le plus de gens possible. Ah bon, j'ai pas paré. Connard. Allez, donnez-moi la poudre à canon et hélico presto. Que je me barre. J'aime pas taper les mobs et pas gagner d'XP. Je suis sûr qu'il y a des coffres animés dedans. Tiens. Ah, je les one-shot plus. J'ai plus le désert, je vois plus les coffres. Je suis déçu. Oh, pour te faire tennis, ça tombe bien, je viens de tout utiliser. Oh, le retour des loups-garous. Putain, et dire qu'il rapporte 3000 XP, putain.
Bon, je dis 3000, j'exagère, mais je veux dire, il rapporte la blinde, quoi. C'est l'équivalent des loups-garous du... de la forêt du hibou, là où, à l'étage 10, si tu fais une croisée du soleil, bah tu te fais des masses. Faudra canon. Faut essayer d'anticiper comment elle va bouger. J'ai bien dit le terme essayer, hein. Comment je me suis fait Sodome? Et bien sûr, la poudre à canon, ça sera le dernier mob. Putain, si la vidéo fait plus de 3 gigas, pouf! Déjà, la transférer sur Movie Maker, ça va prendre 3 plombes. Puis après, le rendu, oh, il va mettre 3 plombes aussi. Oh putain! Surtout que pendant que je suis en train de rendre une vidéo, bah, je peux pas en tourner une. Encore que j'ai un processeur de merde. Gueule. Dégage, putain de loup. Je m'en fous. Crève, charogne. Wouah, pris cher là. Et toujours pas, et... Ah oui, lui je devais aussi passer son arme niveau supérieur pour la muter, pour le foutre sur le jugement dernier. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. J'ai oublié que j'avais chopé un jugement dernier dans la vidéo précédente. Fais pas de bruit, c'est une putain de sorcière. Tiens, toi aussi tu prends ça. J'avais la flemme de t'esquiver. Oh, bien sûr, le dernier mob. Poudre à canon. Même pas. C'est dans un des deux coffres. C'est un des deux coffres qu'il a. Ok, bon bah c'est le dernier coffre. En fait, le mec il l'avait depuis le début. Par chance, j'ai pas fait cette erreur. Il était là depuis le début. Le cœur de Kairi est en toi. Là, je l'ai vraiment eu sur le dernier mob. Hein. Putain. Waouh. Alors, tu l'as sur le dernier mob. Bah, tu l'as sur le dernier mob. Hein. Poignée de coquille. Je me demande si j'aurai des planches du salut. Ouais, c'est l'objet. Pour faire les arrières sales. Voilà, quand je vois, quand je suis dans les autres grands noirs, là, le kill beat par seconde descend à 200, ça va m'économiser pas mal, on va dire, de place. Désolé, mais je dois entraîner le groupe pour qu'il passe son arme au prochain level. Oh là là. Ouais, 4 FP c'est connasse. T'es sérieux, ça m'a donné 6. Ouais, en fait En fait, je vais juste utiliser la. Je vais directement utiliser. M'en fous, je fais n'importe quoi. Non, mais là, j'ai pas envie de m'emmerder là. We'll be right back.
T'as besoin de quoi pour transformer foudre, tueur marin, dino, ok. Tueur marin, c'est pas un truc que j'avais en plein d'exemplaires avant. En volatile. 3. Voilà, du tueur marin. Donc on va reprendre elle, étant donné que c'était elle que je suis XP à la base. Bon. La vache, mais j'en ai plein des trucs pour elle là. C'est abusé. Wow. Attendez, attends, je vais te calmer, mec. Ouais. C'est plus toi qui m'as calmé, mais. Des volcans. Bon, bien sûr, plus je tue vite les mobs, et moi j'ai de chance de leur dropper un truc dessus. Bon, on s'en fout hein, pour l'instant du vol. Voilà, je l'ai, bien. Tu voles pas à coup sûr sur les mobs. Donc, on va arrêter de perdre du temps avec le vol. Changer tout le temps de perso, ça me fait chier. J'ai pas regardé combien j'ai pris de dégâts, mais j'ai pris cher. J'ai même pas fait gaffe à l'XP que j'ai gagné. J'ai bien fait de commencer par le haut, étant donné que c'est la zone cul-de-sac. Bon, on va dire toutes les salles sont cul-de-sac dans le jeu, étant donné que tu peux pas sortir grâce aux salles. Alors, je veux dire que c'est la zone cul-de-sac où dont c'est le plus loin de la sortie. Voilà. Qui m'évitera de perdre trop de temps. Oh, plein de trucs en haut. Là ça me fait chier, là un loup-garou pour le peu d'XP qui me reste. Elle fait mal. Oh. Et elle a même pas l'arme qui cite sa puissance. C'est pour dire. Il fallait du vent et du frappette. Est-ce que si je mets du vent ça change? Non. Et du frappette. Toujours du frappette.
Ouais, j'ai plein de frappés, donc on va continuer. Alors effectivement, j'en ai pas des masses. À moins que... Ouais, mauvaise idée, elle. Mais t'as l'air tellement ridicule avec ton maillet. Ah, j'ai peur de la taille de la vidéo qu'elle va faire. Ah non, mais j'étais obligé d'augmenter les réglages pour augmenter la qualité parce que c'était horrible quoi. Et je pense que c'est ma carte graphique qui doit avoir un problème. Ça. Je vois pas pourquoi tout d'un coup, à part l'encrassement. Même pas sûr que ça peut être en cause. Mon ordi se fait vieux, moi aussi, peut-être. Peut-être temps d'en changer. Non mais mec, je t'entends un dilu à la ronde. Franchement, je vais faire avoir. Ah, c'est chiant d'avoir un personnage qui utilise le feu alors que t'as des ennemis qui sont de type feu. Ça, c'est le problème. Les mobs élémentaires. Au niveau suivant. Ah, voilà le prochain personnage et le dernier. C'est moi où je me suis téléporté. Qu'est-il arrivé? Ah oui. Le corps s'est défait pendant les essais en vol. J'ai demandé ce qui s'est passé en théorie, tout a été réalisé à perfection. J'ai cru voir un morceau prendre l'apparence d'une boule. Peut-être que mon imagination me joue des tours. Oh, qui es-tu? Bref, retournons-y. Bon bah voilà, mon XP des personnages va s'arrêter à lui. Étant donné que j'ai lui, bah va falloir que j'XP. Que je sorte de ce donjon. Ah, elle m'a fait sortir tout seul. On dirait que tu viens de la Terre Bleue. Qu'est-ce qui t'amène? Langage et signe, comme d'hab. Génie? Ah, ça! Je l'ai vu dans le grand télescope, c'est pas bien méchant. Si les gens de la Terre Bleue sont gênés par si peu, ils ont vraiment un problème. On comprend qu'il veut dire enfermé avec le dernier jet de main. Quoi, l'enfermé? Tu veux rigoler? Enfermé comme ça, ça ne se fait plus. Bah! Personne au village où ne s'est plus enfermé. C'est quand on met quelqu'un dans une espèce dure, c'est ça? C'est impossible! Attends un peu! Je n'ai pas dit non, j'ai simplement dit que l'enfermer était impossible. Il y a mieux que l'enfermement. Lui régler son compte. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper, tu vas voir. Voilà mon plan. J'ai fabriqué une espèce de géant du soleil. L'arbaleste. Je vais l'appeler l'arbaleste, moi. Ah non, je m'étais pas gouré au niveau de l'assemblage des pièces. Mais c'est le gros côté. C'est la toute dernière technologie du village jaune. Disons pour résumer que ce sera comme un golem au format énorme. Les gens du soleil peuvent facilement faire son compte au génie. Mais pendant les tests, le fameux géant du soleil s'est enfui et s'est cassé en plusieurs morceaux. Comment ça il s'est enfui
t'es censé le contrôler vu que c'est ton robot. À moins qu'il ait une IA dissidente. La pierre magique dont nous disposons maintenant est assez puissante pour renforcer notre géant de Slay. Pour que le géant soit parfait, il nous faut la sphère de Pèse. En gros, la technologie noire. Ouais, j'utilise beaucoup de termes de l'anime auquel je fais référence par rapport à l'arbaleste. La sphère de Pèse est une... la technologie noire est l'une des plus puissantes technologies au monde. Grâce à elle, le géant de Slay... Grâce à elle, l'arbalex fonctionnera parfaitement bien. Elle en fait en récompense pour un match chocolaté. Si tu remportes le match, tu gagnes. Facile à dire, mais gagner l'épreuve ne sera pas si simple. Unissons-nous. Fusion. Bon, étant donné que ce sont des lapins, je vais pas m'emmerder au niveau du pseudo. Usagi, le terme japonais pour dire lapin. Comment on efface une lettre? Voilà. Usagi. Voilà. Comment on peut se faire chier? C'est un lapin, donc je t'appelle lapin. En version jap. Usagi m'attend à un allié. Bon, je vais devoir faire une grosse dépense à cause de lui, fait chier. D'habitude, en fait, je prends les armes là, qui est le chacal. Mais en fait, les armes de type physique, parce que ça, c'est une arme de type physique, tu vois, comme les épées. Et ça, c'est une arme de type magique, qui est obligée d'utiliser un élément. Comme Madoka. Sauf que les armes de type physique, leur stade d'évolution s'arrête après 3 transformations. Donc en gros, elle est pas puissante, alors que les armes magiques est beaucoup plus puissante. D'habitude, je prends ça, mais quand je l'ai fait la dernière fois de l'esprit, je m'étais en live sur RobStation, j'étais rendu compte que ça, c'était de la merde, donc j'ai pris ça, ce qui est beaucoup mieux. Et ça coûte moins cher, en fait, au passage. Donc, bien sûr, pour l'instant, j'ai monté son arme de base. Ça, c'est sûr, hein, pour gagner des points de stats faciles. Après, je lui mettrai son coquillage magique. Nuage magique! Normalement, le dépôt comptoir, il est là-bas. Bon, je récupère tout ce qui est fruits là-dedans et tout le bordel. Une gourde. Voilà, quoi, tout le tintouin. Putain, j'en ai du prisme métal. Mais c'était pas ici. Alors, je suis le tour pour les fruits d'Eden et tout, bordel. Parce qu'il est un peu à la ramasse, quoi, niveau stat, on va dire. Merde, il est où le comptoir? Merde, trop de mémoire. C'est la dernière foutue baraque? Peut-être pour changer, la vidéo sera courte. Là, je vais m'arrêter à 30 minutes pour que je voie les dégâts au niveau épaisseur de la vidéo. Mais je vais pas aller en donjon pour faire un ou deux levels seulement. Ça me ferait bien chier. Merde! Mais il est où le mec du comptoir? What? Merde, je sais plus c'est qui. Ta gueule. Oh fuck! À moins que ce soit le même personnage qui fasse les nœuds?
Waouh. C'est tellement pu. Mon dieu. Ouais, je crois que c'est le même personnage qui fait le compteur à le magasin. On voit que ça. Bon, j'ai fait le tour au moins pour récupérer les coffres, donc c'est pas une perte de temps. D'ailleurs, j'aurais fait le tour. Bah... What? Où est le comptoir? Bon, bah en fait, c'était bien la maison 2. Je me souvenais bien que c'était celle-là, mais faut parler aux PNJ. Je pensais pas que c'était les PNJ qui traînaient comme ça. Je pensais que c'était un truc présenté comme pour le vendeur. Ouais, bah comme quoi mes souvenirs, des fois, bah ils me trahissent. Ouais, c'était lui. Ah oui, j'en avais des. J'ai besoin de vent. Oui, j'ai du stock de pierre. Oui. Bon, déjà, toi, tu vas passer. 140. 130 points de vie, étant donné que c'est un mec qui attaque à distance. Bon, il a combien? 2, 4, 5 de plus. Qu'il allait jeter un fruit d'Eden en mode posé. Normalement, il m'en manque une. Bon, j'ai 6 personnages et j'ai que 5 fruits et 5 machins. Lui qu'on voit ses 150 d'attaque, posé. Ah, j'aurais plus rien à stocker maintenant. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'ai une métier gentille, on prendra ça plus tard. Alors, mais c'est qui a... Là, comme ça, c'est déjà fait pour con. Moi, je ferai la prochaine vidéo. Voilà, là je vais m'arrêter d'après avoir construit. Là je vais pas aller jusqu'aux 40 minutes habituelles. On va dire que ça m'a coupé dans mon trip la scène du personnage. Ah ouais! Et il y a ça qui apparaît. Faut que tu te plantes pas. Bon, y a rien d'autre. Bon. J'ai déjà essayé de faire mon épaule. Le machin là qui ressemble à ça. Ah oui.
rajouter, je peux rien faire, Ça te dit un peu plus de gueule là, les mains. Bon, c'est bon, là je suis pas gouré dans le sang, donc c'est bon. Prise métal, mais la vache, j'en ai du prise métal. Oui, mais arrêtez avec la pierre, je vais plus avoir de place. Ah, poisson sucré. Miam. C'est Coroneco qui va se régaler. Bon, pour faire le tour, c'est mieux de faire comme ça. Le tour du tour. Bon, bah, apparemment, il n'y a rien d'autre. Il n'y en a pas sur un tour de guet. Oh oui, ça va être le maximum. Donc sur ce, mes petites bestes mojo, je vous remercie de me regarder. Bon bah comme d'hab, il y a Stropole pour voter quelle version Zelda vous voulez que je fasse. Donc sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. On se dit à la prochaine et salut salut.